et soif de justice qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit, nous irons annoncer la paix, le pardon, ouvrant nos cœurs. Étoile transperce la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Abandonne
ce monde que tu attends d'aimer. Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu. Souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de se retrouver pour ce nouveau rendez-vous à la Cité de Lumière. Vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook ou YouTube, YouTube Cité de Lumière, ou sur nos sites internet citedelumière.fr. C'est vraiment une joie de pouvoir se retrouver. Donc la Cité de Lumière, c'est 46 rue du Faubourg Sermorens à Voiron, en Isère, et c'est en France. La Cité de Lumière, c'est une église où nous vivons des moments de prière, de louange, d'enseignement, de guérison et de miracles. Et la Cité de Lumière, c'est les pasteurs Louis et Suzanne Lombardo, accompagnés d'une équipe pastorale et de nombreux chrétiens engagés pour servir Dieu. Un remerciement tout particulier à notre pasteur pour tous les messages qu'il apporte actuellement et pour tout son engagement tous les jours de la semaine.
J'ai un grand remerciement aussi aux membres de l'Église qui sont déjà revenus très nombreux le dimanche au milieu de nous. Donc nous avons le culte à partir de 9h30 tous les dimanches. Et vous pouvez aussi nous suivre tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h30 sur YouTube et sur Facebook. Un grand remerciement justement à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux, de plein de pays différents, de francophonie, et c'est vraiment une joie de pouvoir vous retrouver pour partager certaines paroles de la Bible. Et nous allons commencer par lire dans la Bible, dans Luc chapitre 10, verset 2. Et le titre de ce message, c'est la moisson. Et dans Luc 10, verset 2, on voit que Jésus dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc la moisson lui appartient. Le besoin de prier pour que vraiment il y ait de plus en plus d'ouvriers qui se lèvent. La saison arrive de la moisson. C'est une nouvelle saison pour beaucoup de personnes. Après ce coronavirus qui a déferlé sur le monde entier, une saison nouvelle arrive. Et dans cette saison nouvelle, nous avons besoin de nous réveiller tous. Et nous avons besoin donc aussi de prier pour que des ouvriers puissent se lever pour venir dans sa moisson. Dans Jérémie 5, verset 24, il est dit aussi, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Craignons l'Éternel. C'est lui qui donne la pluie, c'est lui qui fait germer, c'est lui qui fait lever les pousses, et vraiment, il nous réserve des semaines qui sont destinées à la moisson. La moisson est grande. Nous avons besoin d'être présents pour pouvoir être dans cette moisson. Dans Jean, non, avant de lire dans Jean, j'aimerais qu'on puisse lire trois proverbes. Donc c'est toujours dans la Bible. Dans Proverbe 6, versets 6 à 9. Va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Je vous adresse ce message. Ne soyez pas paresseux dans les temps qui arrivent. Soyez vraiment engagés pour Dieu. Soyez engagés dans cette moisson. Ne restez pas couchés. Ne restez pas en sommeil, mais réveillez-vous. Soyez actifs. Amassez pendant la moisson. Le temps est venu. Dans Proverbe 10, verset 5 aussi, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Es-tu un fils ou une fille prudente? Ou un fils ou une fille qui fait honte? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu es engagé? Dans Proverbe 20, versets 4 et 5. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter. Mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Des fois, pour une raison ou une autre, pas envie, il fait froid. Alors, je ne vais pas aller me lever, je ne vais pas aller labourer le champ, je ne vais pas aller semer. Et après, je voudrais récolter.
Mais il n'y a rien, nous dit la Bible. Il n'y a rien parce que on a été paresseux. Il n'y a rien si on reste endormi. Il est vraiment temps de se réveiller. Il est vraiment temps de ne pas être paresseux. Il est vraiment temps de s'engager pour la moisson. Je vais relire aussi la dernière phrase. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Il ne faut pas que ces desseins, les projets, les désirs que tu as dans ton cœur de servir Dieu restent au plus profond de toi. Il faut savoir y puiser pour faire jaillir cette eau, faire sortir cette eau de ce puits, de ces eaux profondes. Et c'est ta responsabilité de pouvoir aller puiser dans ce que l'Éternel a mis dans ton cœur. Puiser, c'est un acte aussi. Si tu dors, tu ne peux pas puiser. Si tu es paresseux, tu ne peux pas puiser. Si tu es endormi, tu ne peux pas puiser. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'aller puiser au plus profond de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il est temps d'aller puiser dans ce que l'Éternel veut faire dans cette région, dans cette ville, dans ta région, dans ton pays. Dans Jean 4, versets 34 à 38, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. La saison est là. La saison a commencé. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et que celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Mes amis, c'est le temps vraiment où il va y avoir la joie au milieu de nous, où on va pouvoir se réjouir ensemble, autant ceux qui sèment que ceux qui moissonnent. On voit que les semences ne sont pas faites tout le temps à la même saison. Les fruits n'arrivent pas tout le temps à la même saison. Entre les cerises, les pommes, ce n'est pas le même mois, ce n'est pas la même saison. Mais c'est la moisson. Il est temps, actuellement, de vraiment être dans cette saison où il est autant important de semer que de récolter et de se réjouir ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. D'autres ont peut-être travaillé déjà pour labourer, pour semer, pour faire pousser, pour arroser. Et il est temps que des personnes viennent se joindre à nous, d'entrer dans leur travail. Accepter la vision qu'a commencé. Prendre en marche cette vision. Ne pas se dire c'est pour les autres. Oh, ils ont semé, c'est eux qui vont ramasser. C'est eux qui vont moissonner. Non. Tu peux aussi, même si tu n'as pas semé en temps et en heure, tu peux te joindre à nous pour cette récolte qui va être abondante. Dans Galates 6, versets 7 à 10, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Je vous disais, réveillez-vous, c'est le temps. C'est le temps de ne pas être paresseux. C'est le temps de ne pas se relâcher. C'est le temps d'avancer. Quel que soit le temps, les difficultés que tu puisses rencontrer, lève-toi et engage-toi pour cette moisson. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. On a beaucoup parlé ces derniers temps de notions de pardon, de notions de critique qui ne doivent pas être au milieu de nous. Pratiquons le bien et surtout entre nous. C'est ce qui est dit dans ce passage. Je vous encourage vraiment à pratiquer le bien, à rechercher le bien. Dans le psaume 126, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Peut-être le temps de la semence a été difficile pour toi. Peut-être que tu y allais en pleurant, en te lamentant. Mais tu vas revenir avec allégresse, parce que tu vas porter tous ces gerbes de la moisson. Le temps est là. Le temps de la moisson est là. Nous en voyons les prémices au sein de l'Église. Vous avez été nombreux déjà à revenir au milieu de nous. Et nous avons vu aussi une explosion de nombre de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. La moisson est là. C'est important d'être actif, de ne pas être endormi comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je vous invite vraiment, vraiment, à vous engager pour Dieu, à ne pas rester attentif. Ne pas rester dans l'attente de ce qui peut se faire autour, mais vraiment de vous réveiller, d'avancer. Ah, il y a des difficultés? C'est pour tout le monde pareil. Mais c'est le temps de semer et de moissonner différentes choses. En différentes saisons, comme on a vu tout à l'heure, les fruits n'arrivent pas en même temps. Les différentes sortes de fruits n'arrivent pas en même temps. Il est temps d'agir. Il est temps pour nous tous d'acclamer l'Éternel notre Dieu là où nous sommes. Que vraiment ces cris retentissent dans nos villes. Cri de joie, cri d'allégresse, parce que nous sommes vivants pour Dieu. Nous ne sommes pas endormis, nous sommes actifs et vivants pour Dieu. Comme je vous disais sur les réseaux sociaux, en 3 semaines, nous avons eu 500 personnes supplémentaires qui sont rajoutées. Vous êtes des centaines de personnes à nous suivre chaque semaine. C'est vraiment un honneur, une joie. Et c'est vraiment à vous aussi que je m'adresse, d'être actif où que vous soyez, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Prenez courage. Avancez. L'Éternel est avec vous. Il ne vous abandonnera pas. L'Éternel est bon
L'Éternel est miséricordieux et il souhaite que tu sois dans la joie, dans l'allégresse, parce que c'est le temps de sa moisson. C'est le temps de sa moisson. C'est le temps de sa moisson. Réjouissez-vous. Et surtout, soyez dans l'action. L'Éternel a besoin de vous pour accomplir son œuvre. Ne soyez pas endormis. Je vous redis que vous pouvez nous suivre tous les lundis, mercredis et vendredis sur Facebook et YouTube à partir de 20h30. Et je vous invite aussi à venir nous rejoindre le dimanche à partir de 9h30, 46 rue du Faubourg Sermorins, 38 500 Voiron. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, téléphoner. Si vous souhaitez avoir un conseil, si vous êtes dans la difficulté, si vous avez besoin que l'on prie pour vous, vous pouvez téléphoner au 09 53 61 77 96. Je vous dis à très bientôt et ça a été vraiment une joie pour moi de pouvoir vous partager tout cela. Et soyons ensemble actifs pour sa moisson. Que Dieu soit béni, soyez bénis vous aussi. Je vous dis à très bientôt.